Ok, donc les potes, tout le monde, c'est le JP Clay. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On continue l'aventure avec Liverpool comme tous les samedis. On attaque ce mois de février avec 4 matchs et on commence fort. On commence contre Arsenal. Oula, attendez. Ah voilà. Contre Arsenal. Après, nous attaquerons Burnley, Brentford et Fulham. Donc, on va jouer 2 matchs comme d'habitude, comme chaque épisode. Donc, on va commencer par Arsenal. Après Burnley, on va simuler. Brentford, on va simuler. Et Fulham, on va jouer parce que c'est un match de coupe. Voilà, on fera que 2 matchs. Il n'y aura pas de temps fort. On va simuler 2 matchs. On va jouer 2 matchs. C'est parti. On joue contre Arsenal. Alors, c'était le mercato, les gars. J'ai acheté quelques joueurs et un abonné m'a conseillé d'acheter des joueurs. Du coup, il m'a demandé d'acheter Adli. Du coup, je l'ai acheté Adli et Amelda. Donc, qui sont jeunes, qui ont un très beau potentiel que je vais prêter, bien évidemment. Et puis, je me suis acheté un MDC parce que là, Endo, je vous avoue, c'est un peu faible. Du coup, voilà, on a MDC, c'est tout ce que j'ai fait pour le transfert d'hiver. Donc, c'est parti. On commence direct l'épisode contre Arsenal. Ils sont 7e. Ok, on a la petite cinématique. Ah, on n'a pas la musique. Ok. Bon, attends, je vais la mettre après la musique. C'est que j'ai dû désactiver un truc dans les paramètres. Ah, on joue avec le maillot violet, c'est celui que j'avais dans, pas dans la dernière vidéo, mais celle d'avant, le maillot violet de Liverpool que je trouve incroyable, vraiment. Donc voilà, c'est parti pour le coup d'envoi. Moi, je vais faire des petits réglages pour avoir le son du jeu et puis let's go. Sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme on le méritait dans ce foot anglais et à ce match de première ligue Arsenal contre Liverpool. On parle toujours beaucoup avant, maintenant et après le match. Ça a été dégagé en pression parce que Liverpool presse haut et fort. Allez, ça va être Robertson, McAllister, Diaz. Oh, c'est bien joué ça pour Mossala. Mossala qui va tenter la frappe et l'ouverture du score dès la 36e minute. L'Égyptien Mossala qui délivre ce match. Enfin on marque. Enfin on marque. Magnifique, 10 minutes avant la mi-temps, ça fait plaisir à l'extérieur. Voilà, bon la passe qui était contrée mais qui arrive quand même dans les pieds de Salah et qui marque dans un angle assez fermé. Magnifique. Voilà, du pied gauche de Mossala et ça fait 1-0. Magnifique. Robertson qui a joué avec McAllister. Allez, McAllister avec Diaz. Et oui, c'est reparti pour Robertson. Allez, il peut accélérer, il est tout seul. Il est tout seul, allez, vas-y, il continue. Et encore, il court, il y a Jota. Mais il préfère jouer en arrière. Jota la frappe. Ah, oula. Oh, penalty. Oh, il y a penalty sur ça. Oh, magnifique, je m'attendais même pas à un penalty, les gars. Let's go. Putain, je pensais pas qu'il allait avoir penalty sur ça. Magnifique, Salah qui tombe dans la surface. Penalty, c'est ce dernier qui va tirer face à Ramsdale. On va tenter une Panenka au milieu face à Ramsdale. L'essai dedans, magnifique. Ça fait 2-0 et le doublé de Mossala, 63e minute. Le génie argentin, égyptien, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai dit argentin? Égyptien qui marque. Magnifique, petite Panenka face à Ramsdale. Il s'y attendait pas. En dessous de la barre, magnifique. Ah, on a du mal à défendre là. Eh oui, c'est bien joué, il reste 2 minutes. Allez, il y a peut-être la dernière action pour Liverpool. Et non, ça a été contré, ça va être fini. L'arbitre va siffler la fin du match et c'est la victoire. 2-0 à Liverpool à l'extérieur. Face à Arsenal, on garde toujours notre première place, les gars. C'est un fait plaisir exceptionnel. Magnifique. Ok, donc là on va jouer contre Burnley qui sont 14e. Donc là, je pense qu'on va faire tourner l'équipe. Nous, on est promis, on a toujours notre place devant. Allez, c'est parti. En plus, il y a Brentford 4 jours après. Donc, on va faire tourner l'équipe. Et puis, voilà, ça va faire plaisir un peu. De toute façon, on doit garder l'énergie pour Fulham. Bah, on va faire tourner les 2 joueurs qui sont fatigués. Voilà, j'ai fait tourner les joueurs fatigués. On simule. Allez. Oh, on fait 1-1. Non, on fait 1-1 face à Burnley. Mais encore Salah qui est toujours là pour aller marquer le fameux but qu'il nous faut. Mais là, il n'était pas là. Ok, on a 3 points. On a 3 points d'avance. C'est carré. Ok, donc là on va jouer contre Brentford qui sont 16e. Ok, on a encore devant. Là on va faire tourner l'équipe aussi. On va faire jouer les attaquants qu'il faut et tout. Donc c'est parti, let's go.
Allez, c'est parti, on a fait quelques changements, on simule, on est à l'extérieur en espérant gagner. Oui, oui, victoire 3-0 largement. McAllister, Thiago et Mo Salah qui inscrit toujours son but dans chaque match. Et on va direct attaquer déjà le dernier match de cette vidéo et de ce mois de février. L'épisode n'aura pas duré longtemps, on n'avait pas beaucoup de matchs par rapport à la semaine dernière où on avait plein de matchs au mois de janvier. Là, on n'a pas beaucoup de matchs, c'est comme ça, il y a des épisodes où il y en a beaucoup, il y a des épisodes où il n'y en a pas beaucoup. En espérant gagner cette coupe. Allez, on a la petite cinématique. Enfin, on a une bonne cinématique pour une finale au Wembley Stadium. Pardon. Allez, on va avoir la petite coupe quand ils vont rentrer, les joueurs. Non, même pas. On voit même pas la coupe alors que c'est la finale. C'est bizarre. Ah non, on la voit pas. Attends, peut-être l'entrée ici. Ah si, là, on la voit. On la voit un petit peu. C'est histoire de la montrer. En tout cas, c'est l'histoire qu'on va la soulever, cette coupe. En espérant la soulever, la coupe. Allez, c'est parti. En plus, on a le meilleur maillot de Liverpool. On a le maillot violet en espérant qu'il me porte chance. Allez, c'est parti pour ce match. C'est Fulham qui engage. Let's go. Salah est tout seul. Allez, Salah, il peut accélérer. Vas-y, il est tout seul. Salah face à Paulinho. Voilà, mi-temps, le poteau. Non, ça revient pour tête. Ça a été dégagé très, très vite. C'est quoi ça? Et ça va être la mi-temps. Non, c'est la mi-temps. Score de 0-0 entre Fulham et Liverpool, ce match qui est extrêmement serré. La dernière action avant la mi-temps qui aurait pu être décisif. Et ça fait un poteau et Diaz n'a pas réussi à la récupérer. Non, quel dommage. Quel dommage. Allez, c'est bien joué ça. Allez, vas-y, la récupération. Il peut y aller. Allez, il peut accélérer. Il est tout seul, il y a Jota au milieu. Il accélère, il avance encore. Allez, il va aller centrer. Au point de pénalty, peut-être. Oui, sur Diaz. Magnifique ouverture du score. 53ème minute. Luis Diaz, magnifique ma couille de loup. Let's go. Ça fait 1-0. Let's go. Nice. Dans cette finale, magnifique. Oh là là, la nouvelle recrue qui fait un centre magnifique. Et la reprise de volée exceptionnelle de Luis Diaz. 1-0 dans cette finale, 54ème minute. Allez, Robertson. Allez. Oh, pénalty. Oh oui, magnifique. Oh, magnifique, 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 magnifique. Oh, pénalty. Allez, Mo Salah qui a tenté une Panenka en pleine finale de Carabao Cup et ça passe. Magnifique. 2-0 pour Liverpool. Mo Salah, magnifique. Il reste un quart d'heure. Nice. Oh, allez, McAllister. Allez, vas-y. Il y a Jota. Oui, allez. Vas-y, 3-0. 3. Magnifique. Oh, ça frise. Oh, 3-0. Magnifique. Magnifique. Dans cette finale. 3-0, mon petit. Let's go. Allez, ça va être fini, l'arbitre va siffler, la fin du match, une victoire, 3-0. On va soulever cette coupe, cette Carabao Cup, tant attendu. Oui. Let's go. J'ai enlevé mon cul, j'ai trop chaud, ça. Magnifique. Oh, je suis corda. Bon, c'est pas le maillot de Liverpool, mais un maillot violet aussi. Oh, voilà la magnifique coupe qu'on va soulever. C'est le capitaine qui a soulevé, Virgil van Dijk, si je me trompe pas. Si j'ai pas changé de capitaine. Oh là là, magnifique, c'est le magnifique Carabao Cup. Et oui, c'est van Dijk, le capitaine qui va soulever cette magnifique coupe. Oh, let's go les gars. La remise de la coupe, c'est une manière de célébrer tout ça ensemble. Et avec les remplaçants, avec championne, championne. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Incroyable, on va voir la petite photo. Eh oui, la petite photo. Des joueurs, des remplaçants, magnifiques. Dommage qu'ils n'ont pas rajouté le staff et tout, ça serait plus stylé, mais bon.
Ils n'ont pas fait cet effort-là. En tout cas, déjà, il y a les remplaçants. C'est déjà bien. Il n'y a pas que le type, l'équipe type. Bon, même si les remplaçants sont derrière. Et voilà, let's go, les gars. C'est fini. On finit cet épisode en beauté, en remportant la coupe. 3-0, la Garbo Cup. En tout cas, les gars, j'espère que cet épisode... Oui, je... Wesh, c'est quoi ce bug? Du coup, j'ai dit, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On attaquera le mois de mars. Le mois de mars qui va être tendu la semaine prochaine. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao l'équipe.